Vous connaissez la nature, vous savez que à l'automne, on va récolter. Mais le regain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le regain, Foucault? Vous savez ce que c'est que le regain? Vous avez un roman de Jean Giono qui s'appelle Regain. C'est à l'équinoxe d'automne la même chose qui s'est produite au printemps, c'est-à-dire une vitalisation génésique de la nature. À ce moment-là, on le voit très clairement dans les végétaux. C'est-à-dire que l'herbe qui était rase pendant un moment, d'un seul coup, elle se met à pousser de 15-20 cm. Ça dure 2 semaines, 3 semaines, et après, ça s'arrête. Mais ça permet d'engranger, pour les animaux, de l'herbe fraîche, etc. Un foin. Donc ces deux périodes qui sont marquées par le taureau et la balance, dans notre zodiaque, tous les deux hébergent Vénus. Pour cette raison, la beauté du printemps et de l'automne, regardez l'automne canadien, appelé aussi l'été indien. Eh bien, c'est une splendeur. Ce qui était vert au printemps est devenu rouge, ça veut dire cuit. Vous allez retrouver le lion vert et le lion rouge. Ça ne veut pas dire autre chose qu'il y a quelque chose qu'on a appelé un lion. C'est facile, le lion c'est ce qui est radiant, qui rayonne, etc. Il est vert, ça veut dire qu'il n'est pas mûr, et quand il l'est, il est comme la pomme, qui était verte, comme le raisin qui était vert, et il prend sa couleur de cuisson.